Restez tranquille. On va avoir un problème. Les Strikers ont peut-être gagné, mais on récupérera le reflux. Merci, Maïka. T'aimes bien l'art ? Continuez d'arroser. La journée était dure. Alors tu devras aller voir les tags chez Néon Tactical. C'est ma plus belle œuvre. Une visite de notre salon VIP ? J'aimerais bien, mais c'est pas vraiment le moment. Je comprends. Seulement quand j'ai un couteau dans la main. Sinon, je fais que peindre. Le Forica, c'est notre chez nous. Et quand je dis nous, je parle des tueurs, des voyous, des voleurs. Moi, j'ai tué personne depuis un moment, mais ça me démange. Sérieux? Tu parles comme un expert comptable de 50 piges. Ouais, j'ai un gang. Les disciples. Tu les connais peut-être? Ce cyclope devrait me remercier. Je l'ai bien habillé sans jouer. Je l'ai complètement looké. Il a de la chance que j'ai rien fait d'autre après ce qu'il nous a fait. Merci, Maïka. J'ai trouvé ça plutôt intelligent. Si je l'avais détruit, il aurait fini par s'en remettre. Alors j'ai pris une bombe de peinture et j'ai tagué le machin. Maintenant, chaque fois que le cyclope ouvrira son œil, il verra mon œuvre sur son pote. Ce taré t'a rien dit ? Je pensais qu'il serait encore en train de s'en vanter. Il a rien d'autre à faire. On a voulu dévaliser son magasin pour le crew. C'est là que son jouet nous est tombé dessus. J'ai perdu de bons disciples dans ce groupe. Ce taré devrait me payer pour ça. Et ouais. Et je vais faire de l'art avec tes tripes, si tu m'énerves. Et qu'est-ce qui te fait croire ça ? Que ces poissons ne regorgent pas d'aurore. Bienvenue chez Chunk. Veuillez choisir votre croque. Qu'est-ce que je peux vous proposer ? Bon travail ? J'espère que vous lui avez bien foutu la trouille. Parfait. Je parie qu'il a chié dans son froc quand vous l'avez menacé. Merci. Je vais pouvoir repeindre Styx, le ciré, bref, la totale. Il aura l'air tout neuf comme ça.
Oh, et tenez pour votre peine. Il fait des cauchemars parfois. Schéma orbital verrouillé.
ses capteurs et ma cible est fichue d'avant. Parfait. Je reçois déjà des données. Rien à signaler pour le moment, mais on l'aura quand il se montrera. Voilà votre paix. Dites-vous que c'est une part du trésor, pour votre aide. Rien de tel que vivre sous les rayons de notre soleil d'origine. Ça roule ? Vous avez besoin de moi, quelque part ? Laissez-moi deviner. Je vous manquais. Gérer ces décisions concernant Ryujin a dû être complexe. D'ailleurs, je suis même étonnée que vous ayez réussi à toutes les prendre. Ces corporations me rappellent constamment pourquoi je me suis jamais aventurée dans ce milieu. Je ne supporte pas ce mode de vie. Non, c'est vrai, mais vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Prenez ce que fait Ryujin, par exemple. Sur vos conseils, ils vont continuer leur recherche sur le neuroforceur. Vous voulez dire que je devrais ignorer ça simplement parce que je serais pas taillée pour les affaires ? Une technologie capable de transformer un humain doté de volonté en automate sans cervelle ? Vraiment ? Il me faut une autre raison que ça ? Le fait que vous me posiez cette question prouve que vous êtes totalement aveugle aux implications de cet horrible appareil. Je peux pas vous contredire là-dessus. Mais imaginez que cette technologie tombe entre de mauvaises mains. Imaginez les choses terribles que vous pourriez forcer les gens à faire. C'est horrible rien que de l'imaginer. Je peux pas vous en vouloir. Ils vous ont certainement expliqué ses avantages en détail, en prenant bien soin d'oublier le reste. Peut-être que la prochaine fois, vous songerez aux conséquences avant d'avaler tout ce baratin d'entreprise. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur ? Je suis sûre que je vais aimer. Vous avez pas idée à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots. Je vous aime. Peut-être que si vous avez de la...
chance. Nous reparlerons plus tard. Objectif atteint. Orbite stable. Ma mère voulait que je sois médecin. Vous avez mis un coup de pied dans la fourmilière. J'arrive toujours pas à croire qu'Oularu ait voulu me piéger. Je me suis trompée à son sujet. Mais maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Je vais pouvoir reprendre mon train-train. Sans cette montagne de paperasse, je dirais bien que c'est bon d'être de retour. Bien, des personnes vous ont attribué vos premières missions, mais la plupart de nos tâches figurent sur le tableau. Le tableau rassemble toutes les missions disponibles, conçues par nos techniciens et approuvées par moi. Des questions ? Si seulement. La validation des missions n'a rien de captivant. Avec votre promotion, vous avez gagné un bureau. Alors quand vous en aurez envie, vous y trouverez votre tableau de mission personnel. Et cerise sur le gâteau, vous gérez votre emploi du temps. Oh, et félicitations, ça va de soi. Je l'espère bien. Allez consulter le tableau. Et si vous avez des questions, je veux bien vous mettre le pied à l'étrier. Pour commencer.
C'est pas moi qui vous l'ai dit, mais ces mercenaires de l'Eclipse. Faites gaffe à vous. Eh, vous avez l'air d'avoir besoin d'une sacrée puissance de feu, je me trompe? Vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Vous avez vu de l'action, hein? Ouais, je le savais. Je le savais. Vous voyez, j'avais déjà tout capté au moment où vous avez mis le pied dans la boutique. Je me suis dit, cette personne est du genre à faire un trou dans le mur pour atteindre son objectif. Je parle de matériel à la pointe de la technologie, qualité militaire. Clic, bam! Si vous voyez ce que je veux dire. Non, 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 non. Je veux rien vous vendre. Je veux changer votre vie. Imaginez. Des pirates de la flotte écarlate vous encerclent. Vous avez rien d'autre que votre Max Storm et une centaine de balles. Ce serait une partie de plaisir. Vous êtes aux portes de l'infini. Et Corkinetics aimerait être du voyage. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, c'est ça l'esprit. On va vous trouver ce qu'il vous faut. Vous ferez des trous n'importe où avec ça. Très bien. N'hésitez pas à revenir de temps en temps. Je viens ici et tout va mieux. C'est bizarre. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une échéance à respecter. Hey, man.
Extinction des rétrofusées. Orbite stabilisée. Entendre personne se plaindre. Rod Hope est la meilleure chose qui nous soit. Gardez un œil sur vos objets de valeur. Si vous pouvez pas protéger ce qui est à vous, vous avez rien à faire ici. Sans les usines, on serait bien. Thank you.
J'ai vu votre vaisseau se poser. Bel engin. Je ne fais pas confiance aux étrangers. Ils n'apportent que des problèmes. Encore 2 semaines et j'aurai enfin... Ne sortez pas votre arme et tout ira bien. Les ouvriers du coin aiment se détendre ici. On a bien mérité. Bonjour, capitaine. En orbite ou on saute? À vous de décider. La flotte écarlate est partie. Loin de chez vous, un néon. Nos lits sont confortables. Vous regardez dans le miroir et voir une autre version de vous-même. Qu'est-ce que vous regardez? Oui. Vous n'avez pas besoin de porter de casque ici. Vous êtes au courant, j'espère.
bien m'excuser, j'ai une échéance à respecter. C'est un honneur de faire partie de l'équipe de Straun et Clun. Je dois livrer un projet. Quoi ? Je travaille, moi. Vous avez le droit d'être ici ? Pardon, mais j'ai du travail, là. Vous avez déjà vu des spatiards. Des ordures, ces types. Voyagez beaucoup dans l'espace. Rendez-nous service à tous. Il est temps de faire entrer NN dans votre vie. Nous vous offrons de vous. Amusez-vous. Vivez des expériences. Nous serons là quand vous le voudrez. Si vous voyez les Calovans, vous avez notre permission de les tuer.
station, capitaine. Peu importe ce qu'il vous faut, pas de soucis. Bonjour, capitaine.